Installé depuis 2007, Guillaume Poineau, avec ses 600 chèvres, n'aura connu qu'une année positive car dès 2008, il a été confronté à l'augmentation des matières premières. Et la suite n'est pas plus brillante puisqu'il a été contraint de baisser ses volumes de production et donc de réduire son cheptel. 2012, sa laiterie baisse le tarif de son lait et devant une nouvelle flambée des prix des céréales, il ne fait plus de marge. De toute façon, l'avenir n'est pas rose. J'envisage ça d'une façon pas très sereine, puisque je ne vois plus d'axe d'amélioration de mes coûts de production. Donc, il est clair que si, dès l'automne, le prix du litre de lait payé aux producteurs n'augmente pas, ça va être pour nous une situation catastrophique et dramatique. En 10 ans, la ferme Caprine Picton-Charentaise a perdu 41% de ses éleveurs. Et pourtant, notre région est la première productrice de fromage de chef de France avec 20 000 emplois indirects. Aujourd'hui, les syndicats caprins demandent au ministère de l'Agriculture de les soutenir. On est quand même rendu à un niveau d'endettement qui est trop élevé pour les exploitations et qu'on ne peut pas s'en sortir, quoi. Vu la flambée des prix qui s'annonce aussi en même temps. Donc, c'est plus possible. En 3 ans, Guillaume a perdu 100 euros par 1000 litres de lait. Aujourd'hui, entre la lassitude, la résignation, c'est la colère qui l'emporte. Aujourd'hui, je dirais, on pourrait se débarrasser de moi en tant que producteur assez facilement en disant finalement, monsieur, on n'a plus besoin de vous. Je crois qu'au contraire, tout ça me renforce dans mon idée de dire on va se battre, on va aller plus loin. Pour pouvoir manger à sa faim, cette chèvre aurait besoin d'une augmentation de 10 centimes d'euros par litre de lait, sachant qu'un quart des éleveurs de notre région est en faillite.